Si, si, à droite. Wow. Ah oui, là-bas, d'accord. Thank you.
japonais. Oui, je fais bien.
Thank you.
ça exprès de 15 secondes. Ça reste concernant. Avec le temps d'un petit groupe, 30% avec les mines, Corinne sur le centre du terrain qui joue avec le villageois ici. Ah, la Dame Smash qui est là, qui va l'opérer. Ouais, on va voir aussi le villageoise qui va récupérer. Qui va réussir à s'en servir. C'est la première fois à la maison. Et la joie avec les yeux qui brillent, elle fait quand même des gars peur. Allez, pour l'avancer à un moment donné, cette bonne smash. Avec les yeux blancs comme ça, avec les yeux, rigole pas trop. Il faut même trouver. Si jamais le smash c'est B, sans aucune direction, vous pouvez être proche d'un adversaire. On voit B sur B. B sans aucune direction. Attention à la poussée d'Eric, ça prend plein de dégâts ici. Il est parti du vaisseau, il est sur le terrain de marteau. Marteau. Oh, 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 oh. Hey, hey, hey. Ça rigole pas trop ce marteau. Ah non, là pour le coup. Il y a encore Eric qui en récupère un. Hey, oh, j'ai hey beaucoup de mal. Belle entrée du marteau. Oh oh. Ah, la fin de ce serré ici. Ah, transformation de dragon. Il n'éjectera pas le villageois. C'est le pourcentage. Et c'est même une vachement stylée quand même. Avec une très belle animation, il reste maintenant un petit peu plus de 2 minutes 30 dans ce match. Dernier match. Super Smash Bros. Ultimate pour cette session. On reviendra tout à l'heure dessus. Et là, on va enchaîner avec Splatoon 2. Alors, il évolue sur le terrain pour le villageois. Plus chelou, un chelours. Il va pas te dire, il va trop chelou. Chelours, il se balade. Il arrive, il était prêt à porter une plainte d'ouverture. Il ne marche pas. Il rigole pas vraiment, vraiment chelours. Ouais, un peu. Oh là 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 là. Et il est content. Il va faire son travail. Il reste une minute au compteur au vaisseau, attention, on va essayer d'aller chercher. Oui, c'est Link qui a pris le vaisseau dans la tête. Link, Link qui l'a pris. La prochaine wall qui est disponible, que renferme-t-elle à nouveau? On va voir, c'est celui qui a. On a vraiment donné légendaire. Il y a carrément. Alors ça c'est horrible parce que toutes les commandes sont inversées. C'est horrible. C'est dur, ouais, c'est très dur. Oh là 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 là. Oh là là, les points ramassés là. Ça s'appelle Kia. L'éternel rival de Galga. Tout à fait. En Pokémon Diamant, il est fait un peu. Ouais, il y a un super solide. Super solide qui est là dans les 10 dernières secondes de jeu. Et si ça va lui permettre de prendre un petit KO à Super Solide. Malheureusement, non. Et on va arriver du coup dans 5, 4, 3, 2, 1. Qui est le Kevin, le boss de l'Eternal.
On est toujours sur Europe.com et Cyber Smash Bros. Ultimate 4 sur la maison, je vous rappelle de juste après. En streaming, on aura donc la démonstration de Pokémon. Let's go Pikachu, Pokémon, Let's go Pokémon. Ça fait super sympa, c'est bon. Par exemple, on est à 3h30. Retour de la streaming avec notamment du Splatoon 2 et la finale de saison de ce matin. Mais les échanges continuent. Et attention, quand même, avec les parties cachées, ça part de nous, j'ai l'impression à fond. Qui fait le ménage sur la zone. Et la romance infernale, hein, ça se tape à droite à gauche, ça fait très 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 mal. Donc je vais dire que quand même les Pokémon sont là. Ah, let's go, Ebony! Et ici, ça, qui est arrivé sur le terrain pour l'équipe bleue, ça est dur pour le villageois. Et Dracon 2 qui arrive à battre tout ça, c'est d'ailleurs Carapuce, le Pokémon trainer, dispose de Carapuce qui a fait arriver Dracon 2 à sa ceinture. Ça tape fort, la moitié du temps a déjà été passée. Pip, Pierre, on voit pas souvent sur scène, qui a pu prendre une fille, un bizarre également avec son Aurélien dans les airs. Il a la Master Ball, qui dit Master Ball, qui est Pokémon légendaire. On l'a, c'est un nouveau qui l'a, et c'est Arkay qui arrive. Et ça a fait pas mal de dégâts à ce pauvre Pip. Attention à la pince, si elle vous prend, elle vous emmène dans les airs. Ça va être très compliqué pour vous, il va falloir se débattre. Attention, elle fait cher, joueur bleu. Avec là, on débat-toi. Bienvenue. Voilà, c'est débattu, on l'a attendu après, avec le nageur, vous écoutez sur le bord. Oh, avec toute la qui veut léger tout ce monde. Le villageois, c'est allé 8. Dommage. Il est pas mal le villageois, j'aime beaucoup en tout cas. Le joueur est aussi très très efficace. On peut noter d'ailleurs avec l'évolution maintenant de l'interface. On voit le villageois qui l'a mis dans sa poche, parce que le villageois peut stocker dans sa poche. Ici, la carapace verte, ça permet de se rappeler soit pour le villageois, soit surtout pour ses adversaires dans toute cette mêlée. Attention, le villageois a une carapace verte dans sa poche. Et le voilà qui la sort. Et nous, on peut remercier également les objets d'autres personnages. À côté, dans une bombe de ligne, on trouve, il nous les ramasser, les mettre dans sa poche et les ressortir en moment. On porte un, il a joué d'ailleurs, qui est un personnage qui s'est arrêté sur la carte. On va la croix qui sont sortis, d'un Pokémon de oh. Voilà, c'est sur cette vidéo que j'espère qu'elle vous a plu et vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à venir faire un tour sur ma chaîne YouTube LinkTilic pour voir davantage de vidéos concernant la Japan Expo édition 2018 qui s'est déroulée le week-end du 6 au 8 juillet 2018. Et moi, sur ce, je vous dis une bonne année à tous. Sayonara, à la prochaine.